Hey, salut, salut, t'es là pour le test des couleurs. Ok, d'accord. Ok, ben c'est pas avec moi. Tu peux repartir. Au revoir. Non, je reste calme. Reste là. Ouais, c'est avec moi. Non, je suis juste quelqu'un de très drôle. Du coup, ok, on va faire un petit test des couleurs très complet. J'ai plein, plein, plein d'objets. On va prendre notre temps aujourd'hui pour faire le meilleur test des couleurs de l'histoire des tests des couleurs. Vraiment rentrer dans la légende des tests des couleurs. On va commencer tout de suite. D'accord. Alors, on va prendre pour l'instant une petite affiche, un petit dessin que j'ai dessiné moi-même à l'encre de ma main. Donc, je vais te demander de te cacher l'œil gauche, s'il te plaît, et tu vas juste répondre à mes petites questions. Hop. Alors, on va regarder la petite tenue du chat, et tu vas me dire les couleurs. Celle-ci. 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 Ok, très bien. Aujourd'hui, on va faire un test des couleurs, mais en même temps d'autres tests, un petit test de mémoire, un petit test visuel aussi. Tu vas cacher ton œil droit, me dire les couleurs. Sont les ailes des papillons. D'accord, c'était vert et rouge. Deuxième question, de quelle couleur sont les yeux de notre petit chat, de notre grand chat? Rose. Troisième question, de quelle couleur sont les oreilles? Incroyable. Dernière, ferme les yeux. Quelle est cette couleur?
Du coup, on va faire un petit test visuel. Tu vas me dire quand est-ce que mes feutres rouges et jaunes sortent de ton champ de vision. Maintenant, on se fait juste un petit eye contact pour le plaisir pour les trois dernières. C'est parti. Ok, très bien. Ok, pour ça, on écoute. On va faire un petit test auditif en même temps. Hop. Je vais chuchoter des couleurs. Tu vas me répondre quelle est la couleur, d'accord? Mais pour te déconcentrer un petit peu, je vais te montrer une autre couleur à l'écran. C'est parti. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les trois couleurs que je vais chuchoter? Bleu, vert, marron, bleu, vert, marron, bleu, vert, marron, bleu, vert, marron. Ok, quelles sont les trois couleurs que j'ai dites? Très bien. Même chose. Jaune, orange, rose, jaune, orange, rose, jaune, orange, rose, jaune, orange, rose. Les trois couleurs que j'ai dites. Très bien. Marron, bleu, vert, marron, bleu, vert, marron, bleu, vert, marron, bleu, vert. Les trois couleurs que j'ai dites. Ok, très bien, on va le faire une dernière fois. Rose, rouge.
dosage là, ça va être un peu plus violent. Excuse-moi, j'avais prévenu, ne te plains pas, en mode plénitude. Du coup, on va continuer, il nous reste un ou deux tests à faire. On va faire un test maintenant, hop. Je vais dessiner sur mon petit cahier des petits ronds, des carrés, des triangles de couleurs. Je vais en dessiner trois par série, on va faire trois séries. Je sais que t'as déjà pas suivi ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, tu as capté. Tu vas juste me dire, me classer du plus grand au plus petit, les petites formes géométriques que je fais. Ok, je vais dessiner des petits triangles. Ok, le premier, le deuxième. Ces rectangles très proprement dessinés, du plus grand au plus petit. Très bien. On va faire une dernière série avec des cercles. Un cercle bleu. Un cercle bleu. Et un cercle vert. Non, jaune, parce qu'il faut toujours du jaune. C'est la couleur du, ça fait plaisir. Moi, ces cercles du plus grand au plus petit. Ok, très 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 bien. Et puis on est bon, on va continuer un petit peu pour le plaisir de faire durer ce test. Hop. Tac. On va finir ce test avec hop, deux petits livres. Je vais te laisser aller 10 secondes. Observer ces livres et à la fin ce sera un test des couleurs, test de mémoire. À la fin tu devras me dire répondre à mes questions, d'accord? Premier livre, essaye de retenir ce qu'il y a écrit et les couleurs. Maillot de Magic Johnson, donc le joueur qui avait le numéro 32. La couleur de son maillot, jaune, bien évidemment. Quel était le numéro de l'autre joueur en vert? Mais quelle était la couleur de son numéro 33? Quelle est la couleur de son numéro? Blanc. Dernière question. Quelle était la couleur de fond du livre? Ok, très bien, bah écoute, c'est la fin de ce petit test des couleurs.
j'espère que j'ai passé un très bon moment. Je te fais de gros bisous. Et toujours quand tu penses aux couleurs, pense-y dans le respect, la politesse. Ça te fera apparaître un magnifique arc-en-ciel parce que tes arcs-en-ciel sont magnifiques. Mais la couleur jaune l'est tout autant. Donc il y a deux choses magnifiques dans le monde. Il y a trois choses magnifiques dans le monde. Les arcs-en-ciel, la couleur jaune et mon bébé chat. Je te fais de gros bisous dans le respect.